Bien. Bon, on attend encore 2 minutes. Je ne sais pas ce qui se passe avec Marie-Isaïa. J'espère que sa connexion est assez bonne. Alors, on a un petit problème de Zoom, mais je vais essayer de la reconnecter et ça va marcher. Bon, je pense il va falloir 2 minutes pour qu'elle se connecte. Comme on a un peu de temps, si vous avez un problème particulier, n'hésitez pas. On peut faire un tour de table. Sinon, normalement, j'ai contacté tout le monde. Je vous ai tous eu au moins une fois par téléphone ou par des échanges de mails. Donc, a priori, d'après ce que je vois ici, il n'y a pas de difficulté pour vous. Mais n'hésitez pas à m'en faire part si jamais il y a un problème. Et puis sur le programme général du séminaire, la semaine prochaine, c'est moi qui parle. Donc, en accord avec l'une d'entre vous. Ah, quelqu'un qui vient d'arriver. Non, ce n'est pas elle. En accord avec l'une d'entre vous, je vais encore parler un petit dossier austrasien, mais ce sera la dernière fois promis. Et puis ensuite, on aura une séance de présentation. Oui, alors quelqu'un a levé la main, pardon. Oui. Oui, bonjour. Si jamais on veut vous envoyer des textes, des études qu'on a pu faire, des espèces de mini études comparées à l'intérieur de... N'hésitez pas, vous m'envoyez tout ce qu'il vous faut, ce que vous avez envie de me montrer, et je vous le renvoie généralement. D'accord, merci beaucoup.
Oui, et donc dernière séance, et voilà Marie-Isaïa qui se connecte. Dernière séance, ça sera la présentation des travaux des M2 qui seront là. Oui, nous te voyons apparaître. Mais pas encore l'image et pas encore l'audio. Je te donne le rôle d'animateur. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Je suis vraiment désolée. On croit savoir se servir de tous ces outils, et puis en fait, c'est le mail qui coince. Voilà. Donc, j'avais tout sauf le lien. Mais ça y est, je suis parmi vous. Je suis absolument ravie. Vous m'entendez pas trop mal, c'est ça? C'est parfait. Et est-ce que vous me voyez? Mais vous n'avez pas besoin de me voir, en fait. Nous te voyons, mais nous en profitons et nous en sommes ravis. Mais c'est surtout que vous pouvez partager, du coup. Est-ce que Et vous nous voyez voyons également aussi? le dossier mérovingien de Voilà. Geneviève, Bon, qui ne c'est manque pas de vraiment charme non l'essentiel. plus. Bon. J'en profite pour te présenter toutes les excuses de ma collègue Sumishimara, qui ne peut pas être parmi nous parce qu'elle a un problème de connexion. Elle est passée en 2G soudainement, et donc là, ça ne permet pas de faire du Zoom. Et j'en profite pour les étudiants pour vous présenter Marie-Céline Isaïa, qui a travaillé sur beaucoup de choses, beaucoup de la géographie, mais pas que de la géographie. Elle a commencé sur Saint-Rémy, en des temps fort lointains, où nous faisions notre thèse pas très loin l'un de l'autre. Il y avait une quinzaine de mètres, je pense, entre les deux salles de bibliothèque. Et puis ensuite, des dossiers sur Agobard, des dossiers sur Incmar, et puis le manuel de référence sur les Carolingiens. C'est sans doute pour cela que vous la connaissez surtout, puisque vous l'avez fréquentée en licence 3. Et puis cette année, le grand colloque Sainte-Geneviève, qui a été grippé malheureusement, comme beaucoup de colloques actuels, mais qui reviendra l'année prochaine, et la publication des Vies de Geneviève au CERF dans la collection Sources chrétiennes, sur lequel nous avons beaucoup déjà disserté. Je pense que j'oublie rien. Si, en fait, mais des choses dont tu ignores tout. Je publie cette année avec Makram Abbès un gros volume sur la liberté de parole. Donc, vous suivrez ça avec attention sur ce que les sociétés du Haut Moyen-Âge, du Moyen-Âge central, pouvaient faire de la liberté de parole quand elles critiquent le pouvoir souverain. Pour moi, c'est un peu la suite de l'aboutissement du travail sur Agobard. Et évidemment, ça intéresse aussi beaucoup les spécialistes de l'islam. Donc, voilà, vous devrez. C'est ça que je viens de remettre à l'éditeur. C'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, on parle d'agiographie aujourd'hui. Je Oui, j'avais remercie. oublié de préciser que tu nous Oui. venais de Lyon 3 et donc que nous avons le soleil lyonnais derrière toi, et ainsi Ouais. que de l'Institut universitaire de France où tu es en délégation pour la troisième année. Les souvenirs sont bons. Je remercie vraiment le professeur Dumézil. C'est un très grand plaisir d'être là. Effectivement, d'arriver à parler à la Sorbonne depuis Lyon. Je ne sais pas si on va apprendre grand-chose de cette pandémie, mais cette possibilité de m'adresser à des étudiants de Paris depuis Lyon, je trouve ça extrêmement constructif. Je pense qu'on devrait faire ça beaucoup plus souvent. Aujourd'hui, mon projet, en tout cas pour répondre à l'invitation de votre professeur, je suis absolument ravie de vous présenter ces recherches en cours. Mon projet, c'est un petit peu de vous convaincre que ma vie a du sens, c'est-à-dire qu'on peut raisonnablement faire de l'histoire à partir de la géographie. Évidemment, vous êtes normalement à peu près tous convaincus que les historiens peuvent trouver dans les sources hagiographiques, des faits, des événements, du contenu. Et de fait, quand on regarde la première vie de Geneviève, on voit apparaître Clovis. Et je rappelle tout de même que c'est un Clovis qui est là 50 ans, 60 ans avant que Grégoire de Tours en parle. Donc, avec la correspondance de Théodoric, c'est notre première source historique sur le roi franc Clovis. Bon. Mais évidemment, comme historien, si on vient simplement chercher dans les textes hagiographiques ce genre d'informations, on est assez vite limité, on est assez vite déçu. Et si vous lisez la vie de Geneviève pour savoir qui était le roi franc Clovis, vous allez rester sur votre faim.
Alors, mon travail consiste, comme chercheuse, à poser d'autres questions à la géographie. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, je fais un petit détour méthodologique par Césaire d'Arles. Césaire d'Arles, il y a 20 ans, quand nous écrivions notre thèse ensemble avec le professeur Dumézil, voilà ce qu'on disait aux étudiants que nous étions alors. C'est magnifique, les sermons de Césaire d'Arles. Regardez, c'est une capture sur le vif de ce que sont les sociétés de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Quand on écoute Césaire d'Arles, c'est pourtant simple, il s'adresse à des élites très chrétiennes et très citadines et il leur dit « ne faites pas comme les païens, ne faites pas comme les rustres, ne faites pas comme les paysans qui, à la campagne, continuent de danser nus pour aider la lune à se lever ou d'attacher des rubans au tronc des arbres parce qu'ils sont superstitieux. » Et on concluait de ces sermons de Césaire d'Arles que, bien sûr, la christianisation était arrivée par les villes, les élites étaient christianisées, on pouvait s'adresser à elles à l'occasion des sermons, et que pendant ce temps-là, à la campagne, le paganisme résiduel vivait encore. Et puis, 20 ans plus tard, on s'est rendu compte, et on a raison, que quand Césaire d'Arles s'adresse à ses auditeurs, à ceux qui viennent au sermon le dimanche, quand il leur dit « regardez les païens et leurs pratiques rustiques », en fait, il ne fait pas une présentation sociologique, une photographie, un état des lieux, il est en train de leur dire « si vous ne voulez pas ressembler à des païens, il faut continuer à être de bons chrétiens généreux avec les pauvres ». Autrement dit, le discours de Césaire n'est pas destiné à documenter notre connaissance de la christianisation au VIe siècle, le discours de Césaire ne peut s'interpréter que comme une traduction par l'auteur, par celui qui parle, par l'orateur, une traduction de son adaptation à son public. Il sait que les élites qui viennent l'écouter, qui ne sont peut-être pas des élites, que les gens qui viennent l'écouter voudraient faire partie de l'élite urbaine qui sert de référence dans leur référentiel sociologique, et donc il leur dit « ne soyez pas des païens et des rustres, parce que c'est leur plus grande crainte ». Passer pour des rustiques. Voilà. En fait, ça ne nous dit pas du tout qu'il y avait plus de fanat dans les campagnes qu'à l'intérieur des villes. Peut-être plutôt le contraire, qu'il y avait encore des pratiques tout à fait païennes et superstitieuses à l'intérieur des murs. Ce détour pour vous dire que j'étudie la géographie exactement dans cet état d'esprit. Je me mets dans la tête de la géographe et je me dis qui d'autre que la géographe est bien placé pour s'adapter à son public et ainsi le décrire de façon indirecte, mais en même temps très en prise avec les besoins réels de son auditoire. La géographe qui s'adresse, qui écrit un texte ou qui l'écrit pour la lecture à un public, c'est exactement où il va être convaincant, c'est exactement ce qui est audible, ce qui va être reçu et ce dont son public a besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'en disséquant l'adaptation très fine dont la géographe est capable, nous avons en fait une sociologie de cette société qui veut bien écouter quand on lui parle des vies de saints. C'est donc du point de vue de la géographe que je vais travailler sur le dossier de Geneviève. Et vous voyez que je suis très vite lancée. Mais si vous avez besoin de poser des questions au fur et à mesure, est-ce que c'est moi qui agis, qui vous dit « oui, je veux bien que vous parliez », est-ce qu'il y a un chat que je peux animer ? Dites-moi, professeur Dumézil. Alors, normalement, il y a un chat que tu peux animer ou ne pas animer, mais tout le monde peut ouvrir son micro. Donc, tu seras impoliment interrompu par les étudiants. Qui généralement n'interrompent pas impoliment. Il faut leur demander d'être impoli pour que tu aies. Alors, allez-y. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas. Donc, je partage avec vous un écran sur qui doit correspondre à peut-être un document que vous avez sous les yeux, et c'est à partir de là que je commande tous les mots, tous les titres, les références bibliographiques s'affichent au fur et à mesure, et vous avez aussi le plan. Hein. Normalement, vous allez pouvoir comprendre. Voici l'histoire. Bruno Krouch, le grand éditeur, le grand monumentiste que vous connaissez, a publié dans le tome 3 des auteurs qui évoquent les réalités mérovingiennes une vie de Sainte Geneviève que nous appelons VGA,
Vie de Geneviève numéro A. Dans l'ordre de rédaction, c'est la première vie de Geneviève, même si certains historiens ont défendu l'antériorité d'une autre vie, dite VGB, dont le dernier éditeur est Charles Kohler. Vous avez là les deux références de VGA et de VGB. Pourquoi est-ce qu'on a ainsi pu discuter de l'ordre de rédaction? Parce que ça n'a rien d'évident. Et dans la Bibliotheca Geographica Latina, vous savez, quand on parle d'un texte hagiographique, comme on ne peut pas dire ben, c'est la vie de Geneviève, puisqu'il y en a 4 ou 5 avant l'an 1000, on utilise la nomenclature des bollandistes. Donc dans la Bibliotheca Geographica Latina, vous voyez que VGA a reçu le numéro 3335, alors que VGB avait reçu le numéro 3334. Pourquoi ? Parce que quand Jean Bolland himself a édité ce qu'il pensait être la première vie de Geneviève, il a édité VGB. Pourquoi ? Parce que c'est celle qu'il avait à sa disposition dans les manuscrits qu'il était capable de réunir au XVIIe siècle, mais aussi parce que c'est une version plus simple, plus homogène, plus facile à comprendre que VGA. En vérité, depuis la Première Guerre mondiale, plus personne ne discute véritablement l'ordre de rédaction, et notamment parce que Bruno Krusch a réagi d'une façon très vigoureuse et très convaincante à la publication de Kohler dans un article qui est paru en 1916, dans lequel il prouve de façon tout à fait définitive à mon avis que VGA est bien antérieur à VGB. Le débat est donc clos, mais il n'est pas tout à fait inutile de revenir aux arguments qui permettent d'hésiter, notamment pour comprendre à quoi servait VGB et par contraste à quoi servait VGA. Il y a plusieurs endroits où VGB et VGA sont légèrement différentes. L'endroit qui m'intéresse le plus, c'est celui qui a été parmi les plus polémiques, qui est ce qu'on appelle la doxologie. À la fin d'un texte hagiographique, on peut trouver une prière, une invocation trinitaire, et voici ce qu'on trouve dans VGB, VGB qui est donc cette vie dont Charles Kohler a dit que parce qu'elle était plus simple, elle était mérovingienne, c'est bien connu, les mérovingiens sont des barbares, et donc au VIe siècle, on a besoin de dire des choses simples, pas trop compliquées, pour que le public puisse suivre. Vous avez eu le temps pendant ce temps-là de lire la doxologie qui conclut VGB, donc à la fin, on rend à Dieu toutes les merveilles que Geneviève a accomplies et nous adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous confessons l'unité dans la Trinité. Amen. Comment se termine VGA, c'est-à-dire le texte qui est en vérité la première rédaction de la vie de Geneviève? Aussi, nous tous qui adorons le Père, le Fils et l'Esprit Saint conformément à la nature de la divinité et confessons l'unité dans la Trinité parce qu'elle est tout entière impériale, j'ai donné ici le latin « quia tota regalis est ». C'est l'un des passages qui a le plus fait rire Krusch, qui est un homme extrêmement violent et en général de mauvaise foi, en plus d'être un grand savant. Qu'est-ce que dit Krusch? Il dit « on ne peut pas affirmer une chose pareille sur la Trinité, qu'elle est tout entière royale, voire impériale, avant que Pépin III ait réuni le concile de Clichy de 763, dans le contexte de discussions un petit peu polémiques avec Byzance. Il faut une royauté sacrée, il faut des débats trinitaires pour arriver à dire une chose pareille. Pourquoi est-ce que le passage m'intéresse? Puisqu'il ne vous a pas échappé que moi j'ajoute à ce passage des guillemets. Nous tous qui, entre guillemets, adorons le Père jusqu'à la divinité, nous qui confessons parce qu'elle est tout entière impériale, et puis vous pouvez continuer, chaque fois qu'il y a des guillemets, nous avons en fait ici la trace de citation de Grégoire de Nazianze. Grégoire de Nazianze est un auteur spirituel qui écrit en grec, qui est mort en 390, qui est dans une situation d'énonciation assez curieuse, car c'est un homme qui a été élu évêque et qui a toujours refusé d'occuper, ou qui n'a pas toujours pu occuper, le siège épiscopal de Nazianze, mais ça ne l'empêche pas de tenir des discours, des orationes, qui sont des sortes de grands prêches dans lesquels il exhorte les chrétiens de Nazianze à mener une vie plus retirée,
plus spirituelle, à se tenir à l'écart des compromissions du siècle et à se livrer à ce qu'on pourrait appeler, bien qu'il parle en grec, l'otium, c'est-à-dire la réflexion, la méditation, la prière aussi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les passages dont Bruno Krusch a dit dans la doxologie de VGA qu'il ne pouvait pas avoir été rédigé avant le 8e, voire le 9e siècle, sont en fait des traductions d'un auteur du 4e qui a été connu à partir des années 400 en latin en Occident, car les discours de Grégoire de Nazianze ont été traduits par Rufin d'Aquilée. Le rédacteur de VGA a ainsi parsemé la vie de Geneviève d'extraits de Rufin d'Aquilée traduisant Grégoire de Nazianze, c'est-à-dire de discours qui sont des méditations sur l'importance de la retraite, de la vie spirituelle et de la prière d'une vie chrétienne en vérité tout à fait intériorisée. Ce sont des sortes de traités de vie monastique, si on entend bien ici la vie monastique, avant la règle bénédictine. Ce genre de passage démontre de façon complètement mécanique que VGA, qui est encore complètement cohérente avec ces citations de Grégoire de Nazianze, est antérieure à VGB, qui est une réécriture simplificatrice par quelqu'un qui ne savait plus qu'on avait cité ici Grégoire de Nazianze. Le rédacteur de VGA a voulu à une date, de VGB, pardon, a voulu à une date qui nous échappe totalement, donner une version beaucoup plus accessible de VGA, qui est rédigée dans une langue un peu exubérante, recherchée, compliquée et parfois à la limite de la traduction. Donc, VGA, qui va retenir mon attention, est bien la première vie de Geneviève, et contrairement à ce que Krusch a dit, on n'est pas du tout obligé d'attendre le 9e, le 10e ou le 11e siècle pour l'avoir rédigée. Poulain, Joseph-Claude Poulain et Martin Heinzelmann ont démontré d'une façon définitive en 1983, publié en 1986, que VGA est bien une vie du début du 6e siècle. Le rédacteur dit qu'il se met au travail 18 ans après la mort de la sainte. Si elle est morte en 500 ou 502, on commence donc à partir des années 520. Et il écrit du vivant de la reine Clotilde. Alors on peut discuter sur la date de mort de Clotilde, mais pour rester dans le système Heinzelmann, on a donc un bon encadrement de VGA entre 520 et 548. Si on voulait améliorer encore un tout petit peu cette datation, mais je procède ici avec la plus grande prudence parce que ça n'a rien d'évident, il faudrait réfléchir à ce chapitre 55. Vous voyez que j'indique les références en tête VGA, donc première rédaction de la vie de Geneviève, 55, c'est le chapitre 55. Un chapitre très très court, donc il faut se garder de trop le solliciter. C'est un chapitre important pour comprendre l'intention du rédacteur de VGA, car nous sommes face au rare miracle post-mortem. Si vous avez l'habitude de la géographie du Haut Moyen-Âge, vous savez que certains textes sont des textes publicitaires en faveur de sanctuaires. Tel saint a une vie exceptionnelle, il est enterré à tel endroit, et depuis, nous pouvons dérouler la collection de ces miracles post-mortem. Dans VGA, rien de tout ça. Il y a deux miracles post-mortem en tout et pour tout, ce qui pour une sainte morte vers 500, si on écrit jusqu'en 548, fait quand même très très peu si le rédacteur avait voulu vanter l'efficacité, le succès des reliques de Geneviève. Parmi ces deux tout petits miracles post-mortem, il y en a un dont vous avez lu maintenant l'intégralité, un go qui travaillait le dimanche, eut les deux mains paralysées, percluses. Toute la nuit, il implora que la santé lui soit rendue et il repart guéri. C'est très court. Quand Martin Heinzelmann a commenté ce passage, il était dans l'idée que Clovis était le champion de la lutte contre l'arianisme gothique. Si un goth se retrouve donc à travailler le dimanche, c'est forcément un prisonnier de guerre. Il a forcément été obligé de travailler de façon contrainte sur le chantier de la basilique Sainte-Geneviève
construite à l'initiative du roi Franc. Et donc, ce prisonnier de guerre qui est astreint aux travaux forcés, quand il travaille le dimanche et qu'il se retrouve paralysé, évidemment pris là où il se trouve, avec ses chaînes aux pieds, et il prie Sainte-Geneviève et il est guéri. Vous voyez que ce n'est pas vraiment tout à fait ce que dit le texte. On n'a en fait aucune information sur la situation précise de ce go. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que le professeur Dumézil vous dirait encore mieux, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire de l'interprétation religieuse de ce passage. C'est un go dont on oublie de nous dire complètement qu'il est arien. D'ailleurs, ça ne lui pose aucun problème d'aller prier sur la tombe de la championne du catholicisme. Donc, soit, ce qui est à mon avis le cas, l'hagiographe se fiche éperdument du contexte religieux et politique tel que Grégoire de Tours nous l'a tracé, soit, c'est tout à fait possible aussi, nous sommes dans un petit optimum des relations franco-visigothiques, peut-être à ce moment où il y a eu projet d'alliance entre la fille de Clovis, qui s'appelle Clotilde, comme sa mère, et le fils d'Alaric II. Dans ces cas-là, la rédaction, si le rédacteur a voulu enjoliver une situation par ailleurs tendue, la rédaction serait à situer plutôt dans les années 526-531 avant que les problèmes avec les Goths reprennent. Mais la vérité, c'est que je pense que la géographe est assez indifférent en vérité avec le tableau manichéen et un peu simplifié que Grégoire de Tours nous a laissé de ce contexte. Donc, nous sommes fondés à étudier Végéa comme une vie de saint mérovingienne des années 520-540. Juste avant de voir ce qu'on peut en tirer, j'ajoute pour finir de camper, de donner les grands traits du tableau initial, j'ajoute que nous n'avons pas l'intégralité du texte à notre disposition. Quand on a une vie de saint, ça c'est une information qui vaut pour toutes les vies de saints que vous fréquentez, quand on a une vie de saint qui commence par Igitur, on doit quand même avoir peur. Igitur, donc, par conséquent, il manque quelque chose. Ce quelque chose n'est peut-être pas très important. Pour savoir à quel point ce quelque chose peut être sans importance, je vous ai donné un extrait d'une vie contemporaine qui est la vie de l'évêque d'Auch, qui commence par une petite phrase. L'admiration que suscite un tel sujet m'oblige à raconter les actions très saintes du bienheureux évêque d'Orient, du bienheureux évêque Oriens, donc le très bienheureux Oriens, etc. Il y a une petite phrase d'introduction, dont j'ai donné la traduction en dessous, que je souligne ici en latin, une petite phrase d'introduction qui est juste là pour que l'auteur avoue qu'il est complètement incompétent, mais que néanmoins il va se mettre à écrire. Igitur Beatissimus Orientius. Vraisemblablement, c'est ce type de phrase qui nous manque pour Geneviève. C'est peut-être pas dramatique, mais chaque fois qu'on commente un texte, c'est quand même intéressant de savoir qu'il nous en manque en vérité un morceau. J'espère un morceau sans grande importance. Excusez-moi. Oui. Que signifie Igitur? Donc, par conséquent, c'est comme si vous commenciez votre rédaction, votre dissertation, votre thèse par « et donc ». Là, on vous dirait « il manque pas un petit quelque chose au début bon. ». Mais la vie de Geneviève, la première, commence par « or donc ». Voilà, donc vous voyez, il y a ce même Igitur que j'ai mis en gras là, dans la vie de l'évêque d'Auch. Et ce qui manque avant, c'est manifestement une phrase où la géographe devrait présenter son propos. Dire « voilà, je suis un bon témoin des événements et donc je vais pouvoir vous raconter la vie de la très digne et très noble Vierge Geneviève, donc Geneviève ». Mais voilà, mais on ne sait pas ce qu'il avait à dire. Et est-ce que tu ne penses pas à une lettre préface, comme on en connaît à la fin du VIe, de longues lettres préfaces pour justifier le propos? Parce que souvent, c'est ce qui saute hein, dans les légendiers, parce que généralement, ouais. Ça ne les intéresse pas, c'est la même chose. Oui, je me sers d'Oriens parce que je crois, c'est pas tout à fait la même hagiographie qu'on écrit en 520 et qu'on écrit en 570. Je crois que la VGA, précisément, n'est pas destinée à répondre à la commande. Alors,
Bon, pour vous donner le sous-titre, hein, vous tous qui nous écoutez, Martin Heidelman a dit que c'était la commande de Clotilde à un évêque burgonde, VGA. Je ne crois pas du tout. En tout cas, le texte n'en porte pas de traces. Il n'y a aucun indice de ce rapport de déférence ou de ce rapport de. Ou simplement l'idée qu'on puisse avoir de ce texte une utilisation autre qu'à l'intérieur d'un tout petit cercle ascétique. Voilà. Donc, ce qui me fait penser que non, c'est un hagiographe qui a pris l'initiative et qui, du coup, se présente comme ça un peu en deux lignes. Mais bon, encore une fois, on commente quelque chose qui n'existe pas. Donc, après, tout est permis. Non ? Alors, qu'est-ce que de l'intérieur on va pouvoir comprendre de cette vie de sainte ? Pour bien le comprendre, et finalement, c'est un peu ce que j'ai commencé à faire tout de suite, il faut savoir un peu ce que c'est que la géographie gauloise du VIe siècle, ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut espérer, de combien de textes nous parlons. Au tout début du VIe siècle, quand la vie de Geneviève VGA est écrite, on assiste à un véritable changement de ton dans la géographie latine gauloise, puisque nous avons alors peut-être 12, 15, et j'irai jusqu'à 20 si on compte les textes perdus, supposés existants, mais dont on n'a pas d'attestation réelle. On a, disons, 10 à 20 vies de saints évêques, voire prêtres, qui sont rédigées entre 500 et 540. Et le phénomène ne va faire que s'accentuer au cours du VIe siècle. Le fait de se mettre à écrire une vie d'un saint confesseur est donc un phénomène très récent, mais avec une brutale accélération, et ça vient faire un très fort contraste avec les trois siècles qui précèdent, qui sont des textes, des siècles d'hagiographie marginale, martyriale. Quand on rédige, quand on est un chrétien du VIe siècle et qu'on lit des vies de saints, ce sont des vies des saints martyrs des premiers siècles. Et puis là, tout d'un coup, boum, on se met à rédiger en Gaule des vies des saints confesseurs. Ces vies des saints confesseurs, il faut faire très attention, nous comme historiens, nous pouvons en dénombrer une quinzaine, mais il est évident qu'elles ne circulent pas, c'est-à-dire qu'elles sont d'intérêt local et que ce qu'on connaît à Auxerre, on ne le connaît pas à Arles, ce qu'on connaît à Bordeaux, on ne le connaît pas à Auch et ainsi de suite. Par exemple, parmi ces vies qui sont vraiment en plein boom, 5e, 6e siècle, la vie de Saint Germain, évêque d'Auxerre, écrite par Constance, joue un véritable rôle de modèle pour le haut Moyen-Âge. Germain, évêque d'Auxerre, joue aussi dans la biographie de Geneviève un rôle fondamental, puisque c'est Germain qui identifie la petite Geneviève qui habite à Nanterre et qui lui confirme qu'elle a bien une vocation à la virginité consacrée et qu'elle a raison de persévérer dans cette voie. Mais l'hagiographe qui écrit la vie de Geneviève n'a absolument pas conscience de l'existence de la vie de Saint-Germain, évêque d'Auxerre. Il n'a pas non plus conscience de l'existence de la vie de Saint-Loup de Troyes. Donc, on est bien dans un climat favorable à la mise par écrit d'autres modèles de sainteté possibles que la sainteté martyriale. Geneviève certainement s'inscrit dans ce contexte, mais les vies ne s'influencent pas directement les unes les autres. Si maintenant je caractérise ces vies de confesseurs en plein essor, il y a deux courants possibles. Le courant historique, c'est la vie des saints ascètes. Depuis qu'Athanase d'Alexandrie a écrit la vie d'Antoine, et surtout depuis qu'elle a été traduite en latin par Évagre d'Antioche, on a l'habitude de lire des biographies exemplaires, comment un ascète a vécu au désert, une vie de consécration intégrale à Dieu, dans la prière et l'autodestruction. Dans cette grande tradition, on peut inscrire les vies rédigées par Jérôme et surtout la vie de Saint Martin, évêque de Tours, rédigée par Sulpice Sévère, encore que du point de vue du projet littéraire, il y ait là, entre les deux courants, une très grande différence. Pour le dire brièvement, les vies de Jérôme sont explicitement rédigées indépendamment de la vérité historique. Ce sont des vies modèles, des vies typiques, et
À la limite, on pourrait penser que ni Paul de Thèbes ni Malchus n'ont existé. En revanche, quand Sulpice Sévère se met à écrire la vie de Saint-Martin de Tours, il est évident que c'est avec une exigence de vérité historique, et Sulpice Sévère met tout son poids dans la balance pour faire valoir que le modèle de sainteté qu'il propose avec Saint-Martin est fondé sur une existence réelle. À côté de ces ascètes, donc, efflorescence de vie de saints évêques, j'en ai mis quelques-uns qui sont les plus connus ou les mieux assurés. Dans ces vies, nous assistons à une écriture entièrement différente, puisque ce sont toujours des communautés locales qui mettent en évidence le rôle de saint patron joué par celui qui a été, à la génération qui précède, leur évêque. VGA emprunte inégalement aux deux courants. Du point de vue de l'inspiration, des buts et de la méthode d'écriture, nous sommes très clairement dans la lignée de la vie d'Antoine, c'est-à-dire dans la lignée d'une vie de saint ascète qui peut servir de modèle aux autres chrétiens. Voici comment est défini le rôle dans l'histoire du monde, dans l'histoire des hommes, de la vie de Geneviève au chapitre 4. C'est Germain qui parle, Germain d'Auxerre, qui vient de rencontrer Geneviève qui a une dizaine d'années. Elle sera grande devant le Seigneur. Nombre de gens seront par elle convertis d'une vie immorale et impure. Ils deviendront des hommes religieux et en suivant son exemple, ils obtiendront rémission des péchés et récompense du Christ. On peut difficilement expliquer d'une façon plus claire et plus franche à quoi sert la vie de Geneviève. C'est une vie modèle, une existence. En regardant cette existence, en prenant connaissance de cette existence, le chrétien qui voudra bien s'y conformer deviendra saint à son tour. Ça, c'est typique de la géographie monastique au sens très large du terme. C'est la justification de la géographie. On écrit la vie d'un saint pour servir de modèle à ceux qui veulent être ses disciples. Vous avez compris qu'ici, évidemment, ça nous sert très très rapidement à définir le public réel de VGA. Une fois qu'on a compris ce propos, de façon beaucoup plus concrète, l'ensemble de la biographie de Geneviève est démarqué de la vie de Saint-Martin de Tours par Sulpice Sévère. Tout le travail d'analyse et d'interprétation sur ce plan a déjà été fait par Martin Heinzelmann. L'auteur de VGA connaît la vie de Sulpice Sévère, c'est sa source majeure. Ici, je vous ai donné, par exemple, le chapitre 47. Geneviève va à Tours. J'ai oublié d'enlever les... Voilà, ça va devenir plus visible. Geneviève est à Tours, elle est en pèlerinage sur les reliques, auprès des reliques de Saint-Martin de Tours. Il y a un fou qui perd complètement la boule au cours de l'assemblée de prière et qui se jette sur elle. Et elle expulse le démon. Et au moment où elle l'expulse, deux citations de la vie de Martin de Tours et des dialogues de Sulpice Sévère. C'est difficile de faire une mise en scène plus lourde pour dire « Regardez, Geneviève à Tours fait exactement comme Martin de Tours, avec les mêmes mots que Martin de Tours, à côté des reliques de Martin de Tours. » Bon, vous avez compris l'idée générale. Au cas où on n'est pas compris, chapitre 44, commentaire, petite incise de la géographe, finalement, quand Geneviève a obtenu qu'un maître qui refusait de pardonner à son esclave souffre une nuit durant de la fièvre et qu'il soit bien obligé le lendemain matin de venir lui demander pardon. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette Geneviève ? Elle a fait exactement comme Martin lui-même qui a obtenu du juge Avitianus, etc., etc. Donc là, commentaire parallèle tout à fait explicite. On pourrait multiplier les exemples dans le chapitre 14. Il est très juste de louer le grand évêque Martin et donc, a fortiori, il est très juste de louer la très grande Geneviève qui a fait exactement pareil. Dernière petite citation parce que je trouve ça très joli, c'est la fin de la vie de Geneviève. La géographe se souvient dans quelles circonstances il s'est mis à écrire.
18 ans après son décès, c'est le chapitre 53, au moment où je me mis en tête d'écrire sa vie, Apuli Animam, etc., c'est en fait, Apuli Animam, ça doit faire tilt, c'est la formule par laquelle Sulpice Sévère explique qu'il s'est mis lui aussi en tête d'écrire la vie de Saint-Martin. Donc on est vraiment face à un lecteur de la vie de Martin par Sulpice Sévère. Cette relation entre la Vita Martini et la vie de Geneviève, entre Geneviève et Martin, et plus largement spirituelle, la biographie de Geneviève présente ce portrait d'une femme mystique, une femme de prière, qui n'est inscrite dans aucune hiérarchie visible. Geneviève n'est pas une abbesse, Geneviève n'est pas une moniale, c'est une vierge consacrée qui vit dans le monde, et elle se déplace comme Martin le fait, au gré des besoins, au gré des rencontres finalement. Donc il y a là derrière une communauté spirituelle qui explique que l'hagiographe lise la vie de Martin, parce que ça le forme, et aussi qu'il la réitère d'une certaine façon à la destination de ce public qui va lire la vie de Geneviève. Ça, c'est le trait le plus fondamental. En même temps, Geneviève, la vie de Geneviève emprunte aussi un petit peu au courant contemporain de la géographie épiscopale, c'est-à-dire à cette célébration d'une communauté locale, d'une église attachée à un lieu, attachée à une cité, placée sous le patronage d'un saint qui est capable de la défendre. Le chapitre qui a fait le plus couler d'encre à ce propos, c'est le chapitre 52e de la vie de Geneviève. Geneviève voudrait bien guérir quelqu'un. Pour guérir quelqu'un, elle a besoin d'huile, mais le flacon est vide et elle est très embêtée parce qu'il n'y a pas d'évêque pour bénir l'huile qui pourrait lui permettre d'accomplir la guérison. C'est pas grave, par sa prière, elle est capable d'obtenir l'huile. Ce passage a été abondamment commenté, c'est pour ça que j'y insiste un tout petit peu, dans les termes suivants. Et si finalement Geneviève était ici en train de jouer le rôle d'un évêque, et si elle était en train de se substituer à un évêque, moi c'est une explication qui ne m'a pas tellement convaincue, sinon, et là j'y insiste, sous l'angle du projet de la géographe qui présente effectivement Geneviève, non pas comme une rebelle ou comme une marginale, je vais y revenir, mais bien comme une femme capable de défendre la communauté d'église dont elle se trouve de fait la responsable, peut-être pas forcément l'évêque ou la patronne, mais de fait la responsable. Pourquoi est-ce que je compare ainsi Geneviève, je la replace dans le contexte de la géographie gauloise? Pour insister, ce texte n'est pas du tout réductible à une série de clichés. Quand on a travaillé 20 ans sur la géographie, 25 bientôt, on est obligé de se rendre compte, de s'avouer que certains textes ne sont que des accumulations de choses qu'on a déjà dites ou déjà vues. Pour Geneviève, ça n'est pas du tout le cas. On ne peut pas la réduire à ces modèle, même si elle dépend très lourdement de l'inspiration martinienne. VGA ne développe aucun des clichés auxquels va céder la géographie plus tardive, et en particulier, VGA n'est pas du tout marqué par un type idéal de sainteté féminine tel qu'on va la trouver dès les vies de Radegonde. Vous savez, la femme qui est forcément ennemie de son propre sexe, ennemie de son propre corps, qui est capable de lutter contre la faiblesse inhérente à son propre corps, etc. La géographe qui écrit la vie de Geneviève ne réfléchit à aucun moment en termes sexués. Ça se prête très très mal aux gender studies, à un point qui est vraiment intéressant finalement. On a l'impression que cette hagiographe, qui sait très bien que Geneviève est une femme, qu'elle vit entourée de femmes, qui la présente, c'est le chapitre 6 que vous avez sous les yeux, qui la présente face au défi de la vie consacrée féminine, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle renonce aux parures et aux bijoux. Bon, la géographe sait que Geneviève est une femme, mais il n'en tire aucune conclusion,
et notamment il ne développe pas cette espèce de mystique qui serait féminine, une interprétation féminine de la vie religieuse, comme on pourrait le trouver par exemple chez Césaire d'Arles. Pourquoi est-ce que cela m'intéresse ? Parce que l'idée que le sexe n'est pas du tout une clé d'analyse pertinente dès lors qu'on veut vivre une vie chrétienne authentiquement spirituelle, cette idée-là est directement puisée à l'une des sources de la géographe qui est Hermas et ce grand texte de mystique grec qui s'appelle Le Pasteur. Le Pasteur d'Hermas, c'est un texte assez difficile à lire en grec ou dans sa traduction latine à partir du 5e siècle en latin, parce que c'est un texte qui repose sur une série de visions. C'est un texte apocalyptique qui doit vous permettre, au-delà des apparences du monde réel, de voir les véritables enjeux spirituels de la vie chrétienne. Bon. Pour Hermas, ça suffit. Or, l'hagiographe lit Hermas, l'hagiographe le cite, et même aux endroits où il ne le cite pas, il s'en sert pour essayer de faire comprendre ce qu'est la vie intérieure de Geneviève. J'insiste sur un passage qui peut passer inaperçu, qui est le chapitre 21. On parle toujours de Geneviève. Elle avait pour pratique religieuse de passer sans dormir la nuit du samedi, c'est-à-dire la nuit du samedi au dimanche, la nuit qui voit la lumière du premier jour de la semaine, qui est le dimanche, selon l'enseignement du Seigneur relatif au serviteur qui attend son Seigneur au retour des noces. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Que Geneviève veille entre le samedi et le dimanche, ce qui lui permet, avant le lever du soleil, de partir à toute allure pour aller assister à la messe à Saint-Denis. Cette pratique, se priver de sommeil, veiller, est une pratique ascétique que vous pouvez trouver normale. Les saints du VIe siècle, et ceux du VIIe et du VIIIe et du IXe aussi, passent leur temps à se priver de sommeil. Oui, sauf à un moment, qui est précisément la nuit du samedi au dimanche. C'est la nuit où, selon la règle du maître, on doit pouvoir dormir. Ces jours de fête, ce n'est pas le moment d'être fatigué le dimanche matin. Donc, on n'est pas censé veiller entre le samedi et le dimanche. Et pourquoi est-ce que Geneviève veille ? C'est là que ça devient encore plus intéressant. Certainement pas par haine d'elle-même. Certainement pas pour s'exposer au martyre. Certainement pas pour souffrir, pour dompter les besoins de son corps, autant de justifications qu'on trouverait pour le coup dans toute la littérature qui a fleuri depuis Athanase d'Alexandrie. Depuis Athanase d'Alexandrie, depuis la vie d'Antoine, on nous répète dans la tradition hagiographique monastique que le moine est un nouveau martyr, qu'il doit châtier son corps, qu'il doit l'exposer aux privations. Or, il n'y a rien de tout cela dans la vie de Geneviève. Aucun désir de martyr, aucune automutilation, aucune autolimitation, alors qu'extérieurement, elle pratique tous les gestes de l'ascèse, elle jeûne, elle se prive de sommeil, elle passe ses nuits en prière et elle pratique même la réclusion volontaire entre l'Épiphanie et Pâques. Simplement, et là c'est un trait extrêmement original de cette littérature, au lieu de le faire pour se priver, pour se contenir, à des fins ascétiques martyriales, d'imitation des martyrs, elle le fait uniquement parce qu'elle passe son temps à vivre auprès de Dieu. Elle est déjà, et c'est ce que dit VGA 21, c'est ce que dit aussi VGA 16, elle est déjà en train de vivre de l'autre côté de la résurrection des morts, de l'autre côté du jugement dernier, de l'autre côté de la parousie, elle vit déjà dans le banquet des noces éternelles. En VGA 16, vous voyez qu'elle vit, c'est là qu'il y a la citation exacte d'Hermas, elle vit déjà en compagnie des vierges, qui ont des noms de vertu, qui sont en vérité celles qui ont construit, dans le discours d'Hermas, la Jérusalem céleste. C'est vraiment extrêmement original dans ce discours. Geneviève n'est, alors qu'elle a toutes les pratiques extérieures de l'ascèse, Geneviève ne fait rien
pour ressembler à une martyre, et vous auriez aussi la surprise de découvrir qu'il n'est pas question de sa mort dans sa vie. Normalement, la mort d'une sainte, c'est quand même d'un saint d'ailleurs, c'est un passage assez important pour vérifier qu'elle va directement au ciel. Pas du tout. Geneviève, c'est cette femme dont on peut dire « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et puis c'est tout. Voilà. Elle est en permanence en train de vivre contemplation de Dieu. Tout ce que je dis ici est important parce que ça nous permet de comprendre ce que vise l'auteur. Il ne donne pas simplement des contraintes extérieures, il faut veiller ainsi, il faut prier comme ça, il faut jeûner de tel jour à tel jour, il le décrit certainement, mais à chaque fois, il veut pousser un peu plus loin vers une interprétation proprement mystique, hein. Il est en train de former des spirituels à la pratique intérieure de ses vertus et non pas simplement à une pratique extérieure. Je passe, j'essaie de conclure là-dessus. Geneviève n'est absolument pas en train de se heurter à la hiérarchie cléricale. Vous voyez que l'hagiographe insiste beaucoup pour dire qu'elle obéit toujours au commandement des évêques. C'est plutôt pour des raisons de circonstances qu'elle se trouve responsable de l'Église de Paris, mais elle-même pratique, enfin l'essentiel de ce que son hagiographe veut nous dire, c'est qu'elle pratique une ascèse dont il veut nous faire comprendre les fondements spirituels. Il s'adresse avant tout à des gens, des hommes, des femmes, aussi bien des hommes comme des femmes, et peut-être même c'est une femme qui écrit, ce serait une bonne hypothèse de travail. Il ou elle donc s'adresse à des gens qui veulent être disciples de Geneviève. Mis à part ce fond spirituel qui est, à mon avis, fondamental, il a aussi, je vais aller un petit peu plus vite à l'essentiel, un véritable projet théologique. Là encore, pour y être sensible, il faut savoir ce qu'on trouve d'ordinaire dans la géographie et par contraste, ce qu'on trouve dans la vie de Geneviève. La vie de Geneviève commence par l'affirmation que la géographe pourrait très bien parler de la famille de Geneviève, mais qu'il ne va pas le faire, car il a un double projet, faire connaître le vœu qui est à l'origine de sa vocation, puis la grâce que Dieu lui conféra. Et tous les mots ont leur importance. Comment va-t-il montrer ce vœu et cette grâce? Surprise, moment complètement inattendu, par un rappel contextuel, il était une fois deux évêques, Loup et Germain, qui se rendait en Bretagne, c'est-à-dire sur l'île de Bretagne. Et pourquoi? Car ces deux évêques étaient partis combattre une hérésie, le pélagianisme, et c'est sur l'île de c'est sur la route de l'île de Bretagne qu'ils rencontrent Geneviève. Qu'est-ce que la géographe vient nous dire? Pour comprendre la vie de Geneviève, il faut savoir qu'elle a été authentifiée par deux évêques champions de la lutte contre le pélagianisme. Qu'est-ce que c'est que le pélagianisme? Je pense que le professeur Dumézil vous a déjà formé à cette hérésie tout à fait exotique. Oui? Non? Bof! Le pélagianisme, c'est l'hérésie qui affirme, après Pélage, que l'homme, je fais ça en version, c'est le pélagianisme pour les nuls, hein, que l'homme est capable de Dieu, et l'homme est capable de Dieu par ses efforts, à force d'ascèse, à force de prière, à force de jeûne, parce que je le vaux bien, parce que j'ai été bien élevée, je suis capable de mener une vie chrétienne parfaite. C'est contre le pélagianisme que Augustin, évêque d'Hippone, a réagi après avoir fait condamner Pélage en disant « Mais non, l'homme est ainsi marqué par le péché qui le marque depuis l'origine, le fameux péché originel, l'homme est ainsi marqué par le péché que même avec toute la bonne volonté du monde, s'il ne reçoit pas la grâce de Dieu, il n'est capable de rien. » Ah, ça commence à faire un petit peu écho. Quand on regarde la vie de Geneviève, il est question de regarder la grâce que Dieu lui conféra. C'est le projet de la géographe. Ce que la géographe est en train de nous dire, c'est que Geneviève est un cas pratique d'application de l'augustinisme contre le pélagianisme. Geneviève prouve que
toute son ascèse, tous ses efforts ne sont absolument pour rien dans sa sainteté. On n'est pas dans la sainteté martyriale que j'ai définie à l'instant. On est dans la sainteté gratuite. Pourquoi est-ce que Geneviève est sainte ? Parce que Dieu l'a voulu. Heureux êtes-vous, c'est la fin ici du chapitre 4. C'est Germain qui s'adresse aux parents de Geneviève. Heureux êtes-vous d'avoir engendré une si vénérable descendance. Les anges au ciel célébrèrent le mystère de sa naissance avec grande joie et exultation. Toutes les citations qui suivent cette première citation des Écritures sont là pour dire que Geneviève est connue dès avant le commencement du monde, dans la pensée de Dieu. Dieu l'a voulu sainte et c'est pour ça qu'elle est sainte, indépendamment de tous ses mérites. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la vie de Geneviève est un petit traité de théologie augustinienne anti-pélagienne. Et pourquoi est-ce que j'ai le droit de dire des choses pareilles ? Parce que le prototype existe. Il a été rédigé par Paulin, diacre de Milan, qui est l'un des grands animateurs de la lutte contre le pélagianisme, l'un des grands porte-parole de l'augustinisme dans ces domaines. Ce Paulin de Milan, après avoir beaucoup polémiqué contre les Pélagiens, en particulier contre Célestius qu'il fait condamner, qui est un des disciples de Pélage, Paulin de Milan rédige la vie d'Ambroise de Milan. Et la vie d'Ambroise de Milan, avec la vie de Geneviève, est la seule de toutes les vies du 5e et du 6e siècle qui s'attarde longuement sur l'enfance des saints. Et pourquoi s'attarder sur l'enfance des saints ? Parce que quand on est face à un enfant, c'est extrêmement facile de montrer qu'il est saint parce que Dieu le veut et pas parce qu'il y est pour quelque chose. Un enfant n'est capable de rien. Un enfant n'a ni capacité de se contraindre, il n'a pas encore reçu d'éducation, il n'a pas de vertu acquise. En d'autres termes, il n'a pas de mérite. Mais tout ce dont l'enfant est capable, il l'a reçu par grâce. Et maintenant que vous avez lu le premier chapitre de VGA, vous comprenez mieux l'écho qu'il fait avec le premier chapitre de la vie d'Ambroise de Milan. Par quoi est-ce que je vais commencer, dit Paulin ? Je vais prendre pour point de départ le jour même de sa naissance, pour qu'on sache ce que fut la grâce, évidemment, la grâce contre le pélagianisme de cet homme depuis le berceau. Je ne sais pas si la géographe de Geneviève avait lu la vie d'Ambroise de Milan, mais je suis persuadée qu'il poursuit le même propos théologique et que c'est pour cela qu'il y a une hypertrophie des chapitres de l'enfance dans la première vie de Geneviève. Ceci pour que vous sachiez d'où nous partons. Mais VGA, finalement, vous aviez déjà lu, j'imagine, des informations à son propos. C'est la vie de Geneviève la plus connue, c'est celle sur laquelle la bibliographie est la plus abondante, et du coup, c'est la moins intéressante de toutes les vies mérovingiennes. Il existe en effet une réécriture mérovingienne que j'appelle VGC et dont je vais parler dans l'heure qui me reste pour vous montrer les différences de public entre VGA et VGC qui, à mon avis, expliquent entièrement le propos de ce nouvel hagiographe. Vous avez compris que VGA est un discours assez limité au premier cercle des disciples de Geneviève, des chrétiens sérieux, des dévots des années 520-540, des imitateurs qui veulent reproduire l'action de Geneviève. VGA est un texte d'intérêt interne à la communauté. Je pense que c'est la première raison pour laquelle il a fallu sortir de cette communauté un peu mystico-spirituelle étroite et proposer un autre portrait de Geneviève pour un cercle un petit peu différent. Je précise d'emblée que j'ai des idées sur la datation de VGC, réécriture de VGA, mais que cette datation reste en très grande partie hypothétique. Il est possible qu'il s'agisse d'un texte du VIe siècle, mais il est tout à fait possible aussi que ce soit un texte du 7e ou du tout début du 8e siècle. Deuxième précision, VGC raconte exactement la même biographie que VGA. Quasiment tous les épisodes de la vie de Geneviève y sont, quasiment dans le même ordre. Si nous jouons les historiens idiots, c'est-à-dire si nous venons chercher
des informations sur la biographie de Geneviève, nous n'avons donc rien à tirer de VGC. Ce qui est intéressant, ce sont bien sûr les 1000 altérations de détails qui nous permettent de comprendre le projet de la géographe. Premier type d'altération, VGC n'est ni ascétique ni théologique. J'ai dit l'importance des chapitres sur l'enfance pour comprendre le propos de VGA. Dans VGC, ces chapitres sont résumés, expurgés de toutes les citations bibliques qui parlaient de la prédestination. Germain et Lou interviennent, mais complètement fortés, c'est-à-dire par hasard, dit le biographe. On est à contresens complet de l'idée d'une lutte contre le pélagianisme et d'une prédestination à la sainteté. Et surtout, la géographe supprime le terme même de la grâce pour insister à rebours sur ce qu'il appelle les mérites de Geneviève. Donc, on est vraiment, il a pris l'augustinisme de VGA exactement à rebrousse-poil. Soit que la lutte contre le pélagianisme ne soit plus du tout d'actualité, soit qu'elle soit devenue complètement inaudible. En tout cas, il s'adresse à un public à qui il vaut la peine de dire « faites des efforts, vous allez y arriver, la vie chrétienne se mérite et elle passe par des pratiques recommandables ». Pour illustrer ce propos général, je vous propose ici, chaque fois que je mets comme ça les deux petits traits en parallèle, c'est pour dire, voyez, il y a un chapitre dans VGA, c'est le chapitre 8, et il a un parallèle en VGC, c'est le chapitre 6. Donc, je compare l'un et l'autre des chapitres. De quoi s'agit-il ? Dans VGA, on raconte comment, à peu près à l'âge de 15 ans, Geneviève a pratiqué le rituel qui allait l'installer dans la virginité consacrée de façon publique. Dans VGA, l'évêque qui est chargé de la consécration de Geneviève a une forme de révélation et il dit « Le ciel a déjà sanctifié Geneviève, elle est sainte avant même d'avoir rien fait ». C'est ça que ça veut dire, hein, le ciel l'a déjà sanctifiée, elle est sainte avant d'avoir rien fait, et donc on va respecter cette prérogative spirituelle. Regardez ce que cela devient dans VGC, l'évêque a une sorte d'intuition, et comme Geneviève est bien élevée, ben, elle voulait laisser passer devant elle les deux autres jeunes filles qui devaient être consacrées avec elle. Et puis finalement, l'évêque dit « Oh, quand même, ce serait bien de faire passer les plus jeunes d'abord. » Et c'est comme ça qu'elle reçoit la consécration la première. Vous voyez une fois encore cette réécriture qui gomme toutes les affirmations un peu théologiques, un peu spirituelles et qui a aussi supprimé systématiquement les citations bibliques. Donc, bien sûr que l'historien voit bien qu'on lui raconte deux fois la même chose, mais l'intention de la géographe a ici complètement été modifiée. Dans le même ordre d'idées, je pourrais vous dire que VGC a supprimé, mais là de façon très systématique, toutes les allusions à la Vita Martini. Le même géographe a supprimé toutes les références au pasteur d'Hermas, c'est-à-dire tout ce qui faisait référence à un corpus ascético-mystique qui pouvait être partagé par le public. Il est clair que la géographe de VGC ne s'attend absolument pas à ce que ses auditeurs ne connaissent ni Hermas, ni même la vie de Martin par Sulpice Sévère. Je présente ici comme autre type d'exemple pour que vous saisissiez le changement. C'est peut-être... Je suis prête à négocier sur celui-là, mais c'est assez fort quand même. En VGA, Geneviève participe au jugement dernier. Elle a une expérience de mort temporaire. Pendant 3 jours, elle reste complètement immobile. Tout le monde croit qu'elle est morte. En vérité, en esprit, elle participe au jugement dernier, ce qui lui donne une longueur d'avance quand même, hein, sur ses contemporains, parce qu'elle sait très bien quels sont les mérites et les vertus des uns et des autres, vu qu'elle a déjà participé au jugement dernier. Et elle assiste donc, c'est ce que nous dit la géographe, aux récompenses préparées
pour ceux qui aiment Dieu, chose que les païens tiennent pour impossible à croire, premia quae incredibilia pud infideles abentur. Je pense que c'est une citation d'une des grandes œuvres spirituelles du mouvement monastique qui s'appelle la lettre à Démétrias, écrite par Jérôme. Or, ce passage a complètement disparu de VGC. Geneviève a quelque chose de bizarre, elle reste paralysée pendant 3 jours, mais on n'en dira pas plus parce que quand même, ce sont des choses sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'étendre. Vous voyez la façon dont l'esprit du texte a été modifié. Ça n'est pas suffisant. VGC a aussi été transformé pour que tout ce qui pouvait prêter à rire, tout ce qui pouvait choquer dans VGA disparaisse. Alors là, c'est des tas de petits détails amusants. Dans VGA, Geneviève a une révélation, elle sait où trouver des fours à chaux, ce qui va permettre de bâtir une très grande et très belle église pour Saint-Denis. Elle l'annonce à un prêtre de Paris qui s'appelle Jeunesse, et aussitôt Jeunesse, face contre terre, se prosterna devant Geneviève. Je pense que le détail a semblé un petit peu excessif, alors Geneviève a la même révélation et elle va l'annoncer au prêtre Jeunesse, mais le prêtre s'inclina devant notre Geneviève. Vous voyez qu'on est arrivé dans une présentation beaucoup plus conforme, beaucoup plus correcte. Ok, très bien Geneviève, tu as raison, mais je ne vais peut-être quand même pas non plus me mettre à plat ventre devant toi. Autre passage qui est assez cocasse dans VGA, au chapitre 7, je vous fais faire des tas de gymnastique hein, dans la vie de Geneviève. On est là ramené au moment où Geneviève est enfant. Geneviève a croisé la route de Germain. Germain lui a dit « Sois une gentille petite fille, n'aime pas la parure, ne porte pas de bijoux et ainsi, quand tu seras grande, tu mériteras d'être l'épouse du Christ. » D'accord ? Mais Geneviève reste la fille de sa maman. Sa maman n'est pas d'accord pour que Geneviève aille passer la nuit à l'église. Alors Geneviève se roule par terre et fait un caprice, c'est ce que vous trouvez en VGA. Elle se trouva incapable, c'est la mère de Geneviève qui est incapable de se débarrasser de sa fille, qui la poursuit de ses cris et qui pleure. « Moi, avec l'appui du Christ, je tiendrai fidèlement la promesse que j'ai faite à Saint-Germain. Je serai assidue à l'église. Et pourquoi ? Pour obtenir d'être l'épouse du Christ afin qu'il me juge digne de ses perles et de ses vêtements. » Ben oui, pourquoi est-ce que Geneviève veut la virginité consacrée ? Parce qu'elle pense qu'elle va ainsi avoir des jolis habits et puis des perles. Bon, peut-être que la scène avait l'air un petit peu trop enfantine, un petit peu trop capricieuse. Vous voyez la neutralisation en VGC. Geneviève poursuit sa mère et dit qu'elle veut être fidèle à sa promesse et qu'elle veut s'appliquer à la prière et aux pratiques de dévotion. C'est beaucoup moins drôle, mais c'est aussi beaucoup plus présentable. Un autre petit passage que j'aime bien, et vous voyez que la correction a été faite de façon assez systématique. Geneviève porte des chaussures. Un jour, elle enlève ses chaussures. Il y a une femme qui passe par là, qui vole les chaussures de Geneviève et qui se trouve punie. Elle est aveuglée. Comme elle comprend le lien de cause à effet, la femme qui est voleuse et qui est maintenant aussi aveugle revient trouver Geneviève, se jette à ses pieds, hurle, supplie, etc. etc. Et Geneviève, elle la relève en souriant et lui rend sa vue d'autrefois. Tel que c'est dit en latin, croyez-moi, on a un peu l'impression que Geneviève se moque de la pauvre femme avec l'air de dire « Si j'avais été toi, j'aurais pas volé les chaussures d'une sainte, parce que quand même, tu vois, regarde, on est sévèrement puni. » Du coup, le sourire de Geneviève, qui pouvait passer pour un peu de malice, ben vous voyez, il a été conservé dans la version VGC, mais on lui donne une véritable raison beaucoup plus avouable. Elle sourit de l'insignifiance du vol dont elle a été victime et la géographe a pris le temps précédemment de nous dire que bien sûr, ces chaussures de Geneviève, elles n'étaient pas précieuses. On ne sait même pas très bien pourquoi la voleuse s'est donné autant de mal pour lui voler des galoches qui n'étaient évidemment pas du tout... c'était les galoches d'une sainte et donc rien, on ne pouvait rien en tirer, certainement pas les revendre. Je continue, ça c'est un passage très amusant aussi, les possédés, il y
Il y a 12 possédés à Paris, ils sont tellement possédés qu'ils se roulent par terre, c'est épouvantable. On les a attachés, on les amène à Geneviève pour qu'elle les exorcise. Et puis elle dit, non, en fait, ce n'est pas moi qui vais m'en occuper, on va aller faire ça à Saint-Denis. Donc, allez-y, rendez-vous à Saint-Denis. C'est là que, grâce à la prière de Denis, les énergumènes seront délivrés des démons. Et on ne sait pas pourquoi, dans VGA, tout simplement parce que c'est vrai, la géographe dit, elle les suivit 2 heures plus tard. Et donc, les énergumènes sont partis de leur côté et Geneviève les a fait patienter à Saint-Denis. Ça a dû sembler un petit peu excessif à la géographe qui réécrit VGC et qui dit que, bien sûr, si elle arrive 2 heures plus tard, c'est parce qu'elle marche à tout petit pas, hein, voilà, retardée par la retenue du sexe faible. Quand je vous ai dit tout à l'heure que VGA ne se prêtait pas aux gender studies, la VGC, au contraire, s'y prête assez lourdement. On a retrouvé une présentation très, convenue de la sainteté féminine. À propos de sainteté féminine, en VGA, il y a 3 femmes qui sont en fait enfermées par leur mari chez elles, parce que les maris trouvent qu'elles ne sont pas sortables. Et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas sortables? Parce que peut-être qu'elles crient trop fort, peut-être que ce sont des mégères, en tout cas, on dit qu'elles sont possédées par un démon, ça justifie qu'il les garde sous clé. Bon, ça a peut-être semblé un petit peu excessif à l'auteur des VGC, qui explique que, bien sûr, c'est à cause de l'affection du lien conjugal que ces pauvres maris sont obligés de protéger leurs épouses et donc de les garder à la maison. Mais de toute façon, tout ça s'arrange. Geneviève vient les guérir. Les deux derniers petits exemples récréatifs. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce maître qui a refusé de pardonner on ne sait pas quoi à son esclave. Il est décidé à punir très sévèrement son esclave. Du coup, il a une fièvre épouvantable pendant la nuit et il se met à baver comme un auroch, nous dit VGA. Vous imaginez, c'est dégueulasse. Bon. Ça, ce n'est pas possible dans VGC, donc le même homme, il a une forte fièvre, une fièvre vraiment très oppressante, mais il n'est pas en train de baver comme un auroch. Et dernier portrait de Sainte Geneviève, Geneviève en train de faire la cuisine, elle est là avec sa marmite. Comment est-ce qu'elle se nourrit? Dans sa marmite, elle touille des fèves. Elle fait cuire ça, puis après elle s'en nourrit pendant 3 semaines. Bon, ça a semblé un petit peu trop concret sans doute à la géographe des VGC, qui supprime le détail de la marmite, qui fait une soupe épaisse, et puis c'est beaucoup plus propre. Vous avez compris qu'on est en train d'assister tout simplement à la naissance de la bondieuserie, c'est-à-dire qu'à la place d'une vie concrète, avec ses aspérités, avec aussi les maladresses de la géographe, c'est VGA, l'auteur de VGC donne un discours pour être sûr qu'il ne se prête jamais au sourire. Il ne faut pas qu'on ait envie de rigoler quand on nous parle de Geneviève, c'est un discours extrêmement lissé et tout ce qu'il y a de plus présentable et consensuel. Enfin, cet auteur a vraiment des ambitions stylistiques et il transforme certains épisodes, j'ai donné ces exemples-là mais j'aurais pu en donner d'autres, il transforme certains épisodes pour en faire des petites vignettes épiques. Le passage de VGA 32 est assez intéressant parce que c'est très révélateur du style de la géographe. Il raconte une résurrection, c'est pas rien, un miracle de résurrection, mais il le raconte le plus simplement possible. Il y a un enfant, sa mère ne le surveille pas, il tombe dans un puits, il est noyé, Geneviève le ressuscite, il est baptisé, fin de l'épisode, c'est VGA 32. On nous donne son prénom, on nous donne des choses qui n'ont finalement aucun souffle. Regardez comment la géographe de VGC transforme le même épisode dans le chapitre 26. Un jour que ce bambin jouait avec grande insouciance, le voici qui culbute d'un bond, la tête la première au fond d'un puits. Il dégringole et gît là rompu bien 3 ou 4 heures de temps, enseveli sous l'eau dont la masse l'écrase. L'abîme, pour finir, l'entraîne à la tombe. Évidemment, la mère s'arrache les cheveux, se lacère les joues, etc. etc. Et Geneviève, nouvelle Orphée, descend aux enfers, récupère l'enfant, l'arrache aux griffes de la mort. Bref, je pense que vous avez là un bon exemple du changement de tonalité. La vie n'est plus théologique, elle n'est plus spirituelle, elle est présentable, elle est consensuelle et elle est distrayante. Elle est agréable à lire pour les gens qui ont l'habitude
de la grande littérature. Le passage que je préfère, c'est le passage des possédés. Donc, je vous ai dit, il y a 12 possédés à Paris. Bon, ces possédés, ils sont bien malheureux. Et d'ailleurs, ils sont tellement possédés qu'ils restent suspendus en l'air. Restent suspendus en l'air, c'est une citation de la vie de Saint-Martin. Regardez comment la géographe réécrit le même passage. Les énergumènes projetés directement jusqu'à la voûte, leur corps reste suspendu en l'air, masse sans poids qu'aucun lien ne retient, ils vocifèrent, courbés sous le poids de quelques chaînes, roulés bien serrés à la manière d'un parchemin, etc., etc. Il y a une amplification de la matière, un goût pour le pittoresque. L'auteur s'amuse, se plaît à faire une description de gens qui s'enroulent dans un sens, puis qui se déroulent et qui s'enroulent dans l'autre sens, avec une accumulation d'images extrêmement audacieuse et, je dois dire, assez réussie. Les derniers exemples que j'avais cités, ici, la réécriture du moment crucial où Geneviève va ravitailler la ville de Paris en organisant un convoi fluvial jusqu'à Arcis-sur-Aube, réécriture qui est virgilienne. On imagine que le convoi fluvial, ce sont des esquifs qui fendent l'onde, etc. Il y a du Virgile derrière, il y a une citation que j'ai oublié d'indiquer, mais qui vient directement de l'Énéide dans la réécriture de l'hagiographe. Vous avez compris que cet hagiographe, là je suis restée vraiment à l'extérieur, simplement en traduction française, mais ça suffit pour s'en rendre compte, vous avez compris que cet hagiographe s'adresse en vérité à un public qui n'est absolument pas un connaisseur des subtilités théologiques du VIe siècle ni du Ve siècle d'ailleurs, mais qui est un public qui a l'habitude de la littérature, qui a l'habitude de lire Virgile et qui a besoin qu'on lui explique qu'une vie de saint, c'est intéressant, c'est de la littérature plaisante et qui ainsi veut bien se laisser former à une vie chrétienne conçue comme être une série d'exercices pratiques de dévotion qui permettent de devenir un bon chrétien. On est en train d'entrer dans une autre interprétation possible de cette grande idée que la géographie doit servir à la formation des chrétiens. Vous voyez qu'une fois qu'on a dit cette généralité, il y a la formation des chrétiens spirituels, disciples de Geneviève, CVGA, et puis la formation des grands laïcs, sans doute d'extraction un petit peu plus aristocratique, c'est VGC. Pour améliorer un petit peu, là je suis désolée, je vais être obligée de passer en latin. Je fais donc un tout petit peu de philologie avec vous. Au moment où vous décrochez complètement, vous me demandez, normalement je peux repasser en traduction, mais j'ai besoin un petit peu du latin pour que vous compreniez l'intérêt de la chose. Pourquoi est-ce que VGC, dont je pense donc qu'elle a beaucoup d'importance, a été si mal connue? En fait, VGC n'a été redécouverte que quand Karl Künzel a bien voulu la rééditer en 1910. Pourquoi est-ce que Künzel s'est tout d'un coup mis à éditer cette vie de Geneviève? Parce qu'il l'a trouvée dans un légendier du IXe siècle, le légendier de Reichenau, qu'il a appelé le légendier A, parce que Reichenau, ça se dit Augiensis. Et dans ce légendier de Reichenau, pourquoi est-ce que tout d'un coup Künzel se met à frétiller? Parce qu'il tient enfin le premier manuscrit antérieur à l'an 1000 qui conserve une vie de Geneviève. Cette vie de Geneviève, VGC, avait déjà été publiée par les Bollandistes sous le titre Alia, une autre vie de Sainte Geneviève, dans la même collection que VGA tout à l'heure. Simplement, quand Bolland l'avait publié, il l'avait publié à partir de manuscrits des XIe, XIIe ou XIIIe siècles, et on pouvait penser qu'il s'agissait par conséquent d'une réécriture extrêmement tardive, comme en plus elle n'apporte rien à notre connaissance positiviste de la vie de Geneviève, on s'en était désintéressé. Or, Künzel, une fois qu'il a vu que la vie de Geneviève existe dans un légendier carolingien, il voit qu'elle existe dans un deuxième légendier carolingien, le légendier de Saint-Amand, auquel on donne le sigle V, car il est aujourd'hui conservé à Vienne. Pour Künzel, l'un et l'autre légendier sont équivalents. En vérité, pour nous, il y a 50 ans qui les séparent. Le légendier V date des années 790 et le légendier de la Reichenau date des années 840. Mais pour Künzel, et c'est ça qui m'intéresse ici,
le légendier de Reichenau est le meilleur. Et pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans le plus beau de tous les latins carolingiens possibles. Le légendier a en effet été revu, révisé, copié sous la direction du grand bibliothécaire de la Reichenau qui s'appelle Reginbert. Donc, Kunzel est tout content, il pense avoir trouvé la première vie de Geneviève, c'est-à-dire la plus ancienne, celle dont les autres ne seraient que des réécritures simplificatrices. Il a tort, et surtout, il place une fois pour toutes le légendier A très au-dessous du légendier V. Je vous montre les conséquences dramatiques de ce classement. Un petit passage du chapitre 14, Geneviève souhaitait construire une basilique, une église en l'honneur de Saint-Denis, dans A maxima ambitionné, c'est-à-dire avec une ambition extrême, et dans V maximum ambitionem. Évidemment, dit Kunzel, et tous ceux qui ont fait du latin classique avec lui, ben oui, maxima ambitionné, ablatif féminin singulier, c'est un complément de moyen, de manière, pas de problème. On ne va pas mettre maximum ambitionem, c'est-à-dire un COD, un accusatif, alors qu'on a déjà un accusatif qui est basilicam. D'accord. En vérité, ce genre de situation devrait nous alerter. Il n'est pas normal qu'un copiste, même bourré, transforme, c'est-à-dire ajoute un COD dont il n'a pas besoin dans une phrase aussi simple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas le copiste de V qui a inventé un COD inutile et superflu, comme s'il n'avait pas su ce que c'était qu'un accusatif. C'est le copiste de A qui a corrigé en interprétant maximum ambitionem en maximum ambitionné. Pourquoi est-ce qu'il l'a interprété ? Car il sait que ce maximum ambitionem que nous interprétons comme un accusatif est en fait une valeur d'ablatif. Quand est-ce que la forme en am ou en m a valeur d'ablatif ? À l'époque mérovingienne. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand il a fait l'édition de VGC, Kunzel, persuadé qu'il devait donner le meilleur texte possible, il faudrait savoir ce que c'est que le meilleur, Kunzel a donné raison à toutes les variantes qui normalisaient le latin de VGC, qui le rendaient en fait plus conforme au latin classique, plus conforme aux exigences de la Renaissance carolingienne, sans tenir compte du fait que le légendier V avait conservé des signes qui pointaient vers le fait que VGC avait été rédigé dans un latin mérovingien. Première étape alors, les premiers lecteurs de Kunzel, des gens qui ont réagi immédiatement dans les années qui ont suivi la publication de cette édition, n'ont eu aucun mal à montrer que le texte, si on faisait confiance au légendier A, était bourré de lacunes, sinon de fautes. Les deux auteurs ont travaillé indépendamment, mais ils pointent à peu près les mêmes déficiences. Il s'agit de Weidmann et de Bichowski. Je prends des exemples, mais on aurait pu en prendre d'autres. Dans l'édition de Kunzel du chapitre 36, Geneviève est là en train de vénérer les reliques de Saint-Martin et elle rendit alors, par ses mérites et ses vertus, bien des gens ad impleto simundi spiritibus, elle les remplit d'esprits immondes. Dès lors que vous traduisez en français, vous vous dites qu'il y a peut-être un petit problème. En fait, il faut comprendre qu'elle rend à la santé, qu'elle rend guérie des gens qui avaient été remplis par des esprits immondes. Et un passage après l'autre, on est ainsi obligé de se rendre compte, si on traduit en français, qu'il manque des mots, il manque un verbe ici au chapitre 20 et un petit peu plus bas au chapitre 32. On se rend compte qu'il y a comme une lacune, hein, si je traduis littéralement. Geneviève dans leur habituelle corpulence, il manque un verbe, et les rétablit en les rassasiant. Bon. Et on arrive à cette horreur à propos des
possédés de Paris, ils sont vociférants maintenant, pliés par quadam more, par une usage, par une certaine usage, je sais que usage n'est pas féminin, ni en français, ni en latin, des liens. Bon. Ceci pour vous dire que les premiers lecteurs de ce que Künzel pense être le texte absolu, le texte originel, la véritable vie de Geneviève, les premiers lecteurs, sans avoir d'autres manuscrits, ont beau jeu de pointer qu'il y a des tas d'endroits où ça ne veut absolument rien dire, d'où ce type de correction proposée. Et maintenant, vociferantes, on a quadam, on transforme en quaedam, on a vinculorum, on transforme en vinculatorum. Alors c'est sûr qu'en réécrivant le latin, on arrive à un sens beaucoup plus satisfaisant. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun manuscrit qui a conservé la trace de ces leçons. Donc, nous sommes face à une tradition qui est mauvaise. Et pourquoi est-elle mauvaise? Alors moi, je suis allée voir tous les manuscrits, je vous ai donné ici les sigles que j'ai utilisés après d'autres. Je me suis servie évidemment de l'édition de Bolland aussi comme étant une édition, comme gardant la mémoire de manuscrits, même si ce sont des manuscrits tardifs. Et je regarde avec vous un tout petit peu dans le détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte de Geneviève n'est connu que par des manuscrits très tardifs par rapport à sa date de rédaction. Le texte a été normalisé au fur et à mesure de ses copies. Quand on le trouve dans des manuscrits du 9e et a fortiori du 12e ou du 13e siècle, on est donc face à une tradition qui a l'air parfaitement stable. Pourquoi? Parce que le texte se présente sous un jour très homogène, parce que chacune des difficultés a été résolue à peu près de la même façon par les copistes qui ont eux aussi trouvé que le texte d'origine était déficient. Si bien que nous, je le dis à tous les historiens qui sont obligés de réfléchir à la façon dont ils fabriquent leurs sources, nous avons l'impression d'une tradition homogène et stable, alors que nous sommes simplement face à la détérioration d'un texte par ce qu'on appelle la lectio facilior, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les copistes ont tous adopté les mêmes généralisations, les mêmes simplifications, le même consensus mou et moyen qui est mauvais. Je prends ici ce chapitre 24 sur lequel je viens d'attirer votre attention. Dans les manuscrits M et T, puisque More est un masculin, on était gêné par le fait que son déterminant était au féminin. Qu'est-ce qu'ont fait les manuscrits M et T? Eh bien, tout simplement, ils ont supprimé le fait que le déterminant était féminin, ils l'ont mis au masculin, moyennant quoi, il n'y a plus aucun problème. C'est vraiment la normalisation appliquée par la lectio facilior. On transforme un A en O et ça passe. On gomme la difficulté. Autre exemple de nivellement, dans le chapitre 26, je vous le donne en latin ici, Geneviève, matri filium redidit vivum spoliata morte restituit, il y a un verbe de trop ou un COD de moins, en tout cas il y a un problème, en français ça donne, a rendu le fils à la mère vivant, la mort une fois dépouillée a remis. Pour s'en sortir, l'éditeur, qui n'est pas n'importe qui est Jean Bolland, dit ben, « c'est pas grave, on va coordonner les deux verbes, on n'a qu'à ajouter un petit « et » ou un petit « ac » ou un petit « atque » et puis c'est pas grave, ça passe. Une fois qu'on a coordonné les deux verbes, il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est que cette solution n'existe dans aucun manuscrit. C'est encore une fois la tentation de la simplification. Or, parmi les manuscrits dont nous disposons, l'un des manuscrits les plus mauvais et les plus tardifs a peut-être gardé la solution pour ces deux passages. Je prends donc le même chapitre 26 dans le manuscrit T, qui est ce manuscrit aujourd'hui conservé à Paris. Qu'est-ce qu'on trouve dans le manuscrit T? Matri filium a redidit a disparu.
spoliata morte restituit. Je soupçonne que c'est parce que dans le manuscrit T, sans que le copiste comprenne quoi que ce soit à ce qui se passe, le mot redidit a été expunctué, c'est-à-dire que notre hagiographe qui a tellement travaillé son texte, notre hagiographe qui est un grand styliste, a hésité entre plusieurs verbes possibles. Est-ce que je vais dire redidit? Est-ce que je vais dire restituit? Il a écrit les deux et puis il en a supprimé un. Je pense que le manuscrit T est le témoin de cette expunctuation que les autres copistes n'ont pas comprise. Ce qui me pousse à le penser, c'est qu'il y a un autre problème qui est résolu de la même façon au chapitre 31. Au chapitre 31, il y a un adjectif de trop. Ces pauvres gens, ils sont à la fois semi-animes, ils sont morts-vivants, ils sont à demi-morts, et ils sont aussi croquiatos, ils sont torturés par la douleur. VGC, le manuscrit T au chapitre 31, a très opportunément supprimé l'adjectif de trop. Le fait de pouvoir avoir deux adjectifs qui pourraient aussi bien prendre leur place dans la phrase ainsi côte à côte me fait penser que la géographe a hésité au brouillon semi-animes, croquiatos, j'hésite, l'un, l'autre, et je vais vous montrer pourquoi c'est crédible qu'il ait ainsi travaillé. Après, il a expunctué, c'est-à-dire qu'il a signalé lequel des deux adjectifs il voulait garder, et VGC31 dans le manuscrit T a conservé la bonne leçon que les autres n'ont pas comprise. Par ailleurs, le manuscrit T n'est peut-être pas le plus fiable, mais on est ainsi peut-être face à un témoin, et pour nous, cela signifie que chacun des manuscrits de la tradition, même s'il est par ailleurs mauvais, peut avoir fossilisé des leçons qui nous intéressent. Je fais la démonstration à propos de ce chapitre 24 et du manuscrit B maintenant. Dans le manuscrit B, je trouve une solution élégante pour cet usage de chaîne qui nous avait tellement gênés. Si à la place de moré, vous écrivez mollé, c'est-à-dire le poids accablant des chaînes, alors tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous pouvez très bien conserver un déterminant féminin, parce que mollé est féminin, donc il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, ça prend du sens. Le même manuscrit B qui a conservé ce mollé, qui à mon avis est raisonnable, a aussi un très joli verbe converti. Là où Weyman avait supposé l'existence d'un verbe outil, qui était une conjoncture économique. Enfin, dans le chapitre 24, les possédés frappent les airs, dit Verberant Auras, ictibus de coups, brachiorum de leurs bras, criniumque. Ils frappaient les airs de coups de bras et de chevelure. Quand vous le dites en français, c'est comme en latin, ça fait un peu bizarre. Alors, même s'il secoue très, très, très fort la tête, frapper l'air de coups de chevelure, c'est un petit peu délicat. La plupart des manuscrits ont crinium, donc les coups de chevelure. Mais le manuscrit B a créé une horreur, c'est-à-dire un barbarisme, sous la forme de crinumque. Crinumque, pour ceux d'entre vous qui ont fait du latin, c'est pas possible, c'est pas un génitif pluriel, parce que crinis, c'est un pari syllabique, donc on peut pas avoir un génitif en crinum. Si un copiste se laisse aller à écrire une telle horreur, c'est peut-être parce qu'il la lit. Et s'il la lit, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, il ait lu le même nombre de jambages que ce qu'il faut pour écrire, non pas crinum, mais crurum, c'est-à-dire que nos pauvres possédés frappaient l'air de coups de bras et de jambes. Et là, tout d'un coup, ça devient un petit peu plus raisonnable. Pourquoi est-ce que je conclue sur ce problème? Parce que la leçon des crurum existe dans un manuscrit M sur lequel je vais maintenant conclure. Si on n'avait que le manuscrit M
on aurait pu penser que frapper l'air des bras et des jambes, c'était un peu la lectio facilior, c'était la pente naturelle contre laquelle il fallait lutter. Le fait que le manuscrit B ait pu écrire une telle horreur que Crinum me laisse penser que, en fait, Crurum est bien la bonne leçon. Je conclue là-dessus. Vous avez donc compris que nous sommes face à un texte qui, quand il est conservé dès un manuscrit de 790, est déjà considéré par le copiste de 790 et a fortiori au-delà, comme un texte extrêmement compliqué et dans une langue qui n'est plus entièrement audible. Je ne suis pas la première à m'en préoccuper. Celui qui a fait là-dessus des progrès considérables, c'est Giovanni Orlandi, qui, dans un article de 1970, a étudié ce manuscrit M, sur lequel je viens de m'attarder un petit peu. Un légendier copié à Stavlo Malmedy. Par rapport à l'histoire du texte de VGC, c'est un manuscrit terriblement tardif et en plus il est mauvais. Mais, dit Orlandi, regardez, M et V, qui sont indépendants l'un de l'autre, concordent dans la plupart de leurs bêtises. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est des bêtises? Eh bien parce qu'on tombe sur ce genre de phénomène, chapitre 5, la mère de Geneviève lui donne une baffe, qui est cette mère qui, c'est-à-dire ce elle, hein. Or, vous savez très bien qu'en latin classique, elle, ça ne s'écrit pas qui, ça s'écrit quae, si on utilise le relatif de liaison. Qui, c'est le relatif de liaison masculin, ce n'est pas le relatif de liaison féminin. Oui, sauf en latin mérovingien. Donc, dit Orlandi, il a raison, si le manuscrit V porte qui et que le manuscrit M porte qui, c'est que, alors qu'ils sont indépendants, c'est que dans le texte d'origine, il y avait bien qui et que donc nous sommes face à du latin mérovingien, que le manuscrit A et puis tous les autres qui ont suivi ont essayé de lisser et de normaliser pour le rétablir en latin carolingien. Quand on a compris qu'on avait affaire à du latin mérovingien, Orlandi va plus loin et dit « Mais à cette époque, regardez, l'auteur qui a écrit cette VGC l'a écrite en utilisant une technique propre au latin oral, oratoire, au latin des discours, c'est-à-dire qu'il a ponctué son texte grâce à des quantités de syllabes. Il l'a donc ponctué de cursus. » Je vous ai, pour ceux que ça intéresse, rappelé comment le cursus est caractérisé. Pour avoir du cursus, il faut avoir des voyelles longues dans des mots qui contiennent aussi des voyelles courtes. Et il faut que ces voyelles longues, sur lesquelles la voix va s'attarder, viennent selon un rythme régulier. Si vous devez retenir une seule chose, c'est que quand il y a du cursus, le texte était fait pour être lu à voix haute, parce que sinon ça ne marche pas. Le cursus sert en fait de ponctuation, exactement, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Vous savez, en m'écoutant, où sont les virgules, et où sont les points, et où sont les points d'interrogation, et où sont les guillemets, et ainsi de suite, simplement par l'intonation, nous faisons du cursus sans le savoir. Et puis s'il fallait retenir une autre chose, c'est observer que bien sûr le cursus ne peut arriver que quand le mot est long. Parce que pour placer du cursus comme il faut avoir un mot de 3 syllabes ou de 4 syllabes. Bon. Une fois qu'on sait ça, même si vous n'êtes pas capable de placer le cursus aux bons endroits dans le texte latin, je vous ai mis une sorte de cursus appliqué dans le chapitre 29 de VGC. Partout où on arrive en fin de clausule, en fin de période, partout où on est en gros avant une ponctuation forte ou semi-forte, eh bien, j'ai mis en gras les mots. Et c'est absolument magique. Vous vous rendez compte, rien qu'à la vue, que ce sont effectivement, systématiquement, des mots de 3 ou 4 syllabes. Même sans savoir placer la quantité des syllabes, vous pouvez voir qu'il y a là manifestement quelqu'un qui a travaillé pour ajouter du cursus. Quand on a fait ce constat à l'œil, hein, on n'a pas besoin d'être un grand clerc pour y arriver, et ben on comprend un petit peu mieux certains phénomènes de réécriture qu'on était incapable sinon de qualifier. Dans la première vie de Geneviève, Geneviève détoulite aquam matri souhait. Elle apporta de l'eau
à sa mère. On a l'impression que le geste est simple, c'est dit en quatre mots, c'est raisonnablement compréhensible. Et regardez comment VGC le transforme. Aqua matri quam poposcerat ministrawit, c'est pour dire la même chose. Et bien sûr, vous avez compris que poposcerat ministrawit, c'est l'occasion de faire arriver un cursus. Alors, le cursus, premier gros intérêt, eh bien, ça va permettre à l'éditeur de faire des choix. Je vous ai donné un exemple entre mille. Il y a deux leçons concurrentes ici. Incurit, incurirait. Les deux sont possibles d'après la tradition manuscrite. Les deux sont attestés. Incurirait est une hypercorrection qui consiste à passer au subjonctif alors que l'indicatif ici suffit. Comment est-ce que je vais pouvoir traduire ? Je scande et je me rends compte que le seul cursus possible, c'est pupis incurit. Donc, incurirait est bien une hypercorrection qui a été ajoutée par certains manuscrits. Pour les petits problèmes que nous avions laissés en suspens, ah, vous vous souvenez de ce chapitre 31, quam plurimos languoribus semi animes cruciatos, il y avait des pauvres gens qui étaient à la fois à demi-morts et en même temps torturés, eh bien, on va pouvoir s'en sortir en scandant, et une fois qu'on a retrouvé la quantité des syllabes, se rendre compte que semi animis est en trop, et que si vous voulez obtenir un cursus velox, il va falloir utiliser cruciatos. Donc, je pense que ces endroits où on a trop de mots, trop de verbes ou trop d'adjectifs sont tout simplement les témoins fossiles du travail de la géographe qui a essayé plusieurs mots, qui les a scandés et qui, en fonction de l'effet oratoire obtenu, eh bien, a choisi une solution. C'est ainsi que là où Weimann voulait rétablir un sanos, ben, je propose un absolutos parce que comme ça, ça va aller mieux dans la scansion, ou qu'à la place de sanus, Orlandi a déjà proposé de rétablir un incolumis dont on a besoin pour la scansion. Je conclue, si on veut avoir encore un peu le temps de l'échange, je suis désolée d'être si bavarde. Vous avez compris, et là il va falloir, on va pouvoir rassembler tous ces fils hein, tous ensemble, vous avez compris que VGC est une réécriture destinée à rendre Geneviève recevable, audible, auprès d'un public qui est un public aristocratique, qui a reçu une très bonne formation en latin classique, qui est capable d'apprécier l'art oratoire, et à l'inverse, qui n'est absolument pas préoccupé par des querelles théologiques et qui n'est pas non plus préoccupé par des problèmes qui intéressent uniquement la communauté parisienne. Mon hypothèse à moi, c'est que ce texte a été rédigé très loin de Paris. J'ai parié pour le royaume d'Austrasie, mais en fait, ça pourrait être ailleurs. Et du coup, ce texte redevient extrêmement intéressant pour notre compréhension de la christianisation des élites franques. Il faudra un jour que le professeur Dumézil étudie le discours qui est tenu sur Clovis à l'intérieur de cette VGC, de cette vie alternative de Geneviève. On découvre un Clovis qui est présenté comme un roi législateur et non plus du tout comme un roi guerrier. Et je pense que ça alimente très très bien ton travail sur ce que la royauté mérovingienne essaie de dire d'elle-même au cours du 6e et pourquoi pas du 7e siècle, en tout cas jusqu'à Clotaire II. J'ai vérifié, ce n'est pas l'œuvre de Venance Fortuna, mais la vie de Geneviève pourrait évidemment entrer très bien dans ce contexte de rédaction. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Je vous assure que faire de la philologie par Zoom, ce n'est pas complètement évident, et donc s'il faut éclaircir certains points, je me tiens à votre disposition. Merci. Et nous qui te remercions beaucoup pour cette présentation extrêmement claire qui nous a fait courir depuis l'histoire du 5e siècle jusqu'au cursus velox et en respectant parfaitement l'heure. Et donc, merci beaucoup. Donc, je laisse la parole aux étudiants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, qu'il s'agisse de questions de philologie, d'histoire, d'histoire des textes, d'histoire des manuscrits également. Sinon, moi, je vous en prie. Hein. Oui, vous prenez la parole, hein. Vous ne la demandez pas. D'accord. Bonjour. Est-ce que c'est quelque chose de commun, cette réécriture de Vie de Saint, pour la rendre plus policée ? Est-ce que ça fait partie d'un mouvement qui n'a pas seulement englobé la vie de Geneviève ? Ou c'est un exemple particulier Alors, les réécritures, c'est un phénomène massif à partir de la Renaissance carolingienne.
On a un boom des réécritures après 740. Ça a été l'objet du travail de Monique Goulet qui a consacré son habilitation, c'est publié, hein, à ce phénomène. L'excuse étant de permettre la normalisation du latin mérovingien forcément fautif. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les réécritures, peu importe, enfin, qui implique un changement de public. Alors, ça peut être des réécritures idéologiques, hein, on est nombreux à travailler là-dessus, ou simplement pour permettre une adaptation. Par exemple, des vies sont réécrites parce qu'elles étaient trop chauvines, trop ancrées dans une communauté locale. Une vie qui illustrerait que Saint-Glinglin est de toute éternité le meilleur protecteur du Gâtinais. Bon, en dehors du Gâtinais, ça n'intéresse personne, donc c'est ce qu'on appelle la défocalisation. On réécrit simplement pour le rendre exportable. Voilà. La réécriture, oui, ça a été l'objet de beaucoup de travaux, y compris de travaux collectifs. Je pense qu'on se trompe en restant ancré sur les temps carolingiens, puisque comme le dossier de Geneviève le montre, c'est déjà un phénomène du 6e ou au moins du 7e siècle. Simplement, il faut un dossier remarquablement conservé pour avoir toutes les étapes. Et vous comprenez que dans la plupart des endroits où on copiait les textes, si on avait une vie de Geneviève, on détruisait ou on laissait perdre la précédente. C'est-à-dire qu'il faut énormément de chance comme philologue pour avoir plusieurs états de la vie. Et ça n'est jamais au même endroit que la pluralité des textes est conservée. Donc oui, le phénomène est massif. Je pense qu'on se trompe sur la chronologie, même si évidemment, alors il y a un effet de source, parce qu'à la Renaissance carolingienne, on a aussi beaucoup plus écrit d'hagiographie que pendant les autres siècles. Donc, on a toujours l'impression que tout se passe entre le 8e et le 9e, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Est-ce que j'ai répondu? Ouais. Oui, à peu près. J'ai des tas de titres, hein, si vous voulez, la biblio sur la réécriture. Le premier ouvrage, comment... Alors, Monique Goulet a révélé le sujet aux chercheurs français, et elle a piloté à l'Institut historique allemand, donc publié avec Christiane Verrarcom et Martin Heinzelmann, au moins deux volumes importants sur le sujet, sur les réécritures carolingiennes de textes mérovingiens. D'accord. Et j'aurais une deuxième question, si personne ne veut... C'est que c'était un phénomène qui était uniquement centré sur la Gaule et le royaume franc, ou si on le retrouvait dans d'autres endroits de la chrétienté Alors, si vous faites des dénombrements sur la géographie latine avant 800, vous avez 65% des textes qui sont rédigés en Gaule. D'accord. Et 34% des textes qui sont rédigés en Italie. D'accord. Le reste, ça fait trois items pour la Bretagne. Et voilà. Il y a deux textes pour l'Afrique du Nord. Enfin, voilà. Donc, évidemment, tous les phénomènes ont l'air gaulois. Mais là encore, c'est un problème de biais de source. Alors, là où effectivement le phénomène est vraiment gaulois, c'est qu'on réécrit plus de vies de confesseurs qu'on ne réécrit de passions de martyrs. Il faudrait réfléchir à ça. Il est possible que les passions des martyrs aient une valeur plus mémorielle. Ça vaut parce que c'est antique. Et puis d'ailleurs, la passion d'un martyr, c'est toujours la même histoire. Donc en fait, on ne voit pas très bien comment on pourrait la réécrire. Or, vous savez peut-être que le corpus hagiographique gaulois est celui qui compte relativement le plus de vies de confesseurs, alors que le corpus italien est composé à, si je dis 80%, je suis en dessous de la réalité, de passion. Donc, si vous avez suivi mes contes d'apothicaire, il est normal qu'on ait l'impression que la réécriture est un phénomène gaulois. D'accord. Mais il n'y a pas de raison pour que ça soit limité en Gaule, en vérité. Mmh. Et à partir du moment où il y a de la géographie en Germanie, hein, au fur et à mesure des conquêtes vers la Saxe, évidemment, il y a des réécritures. L'un des dossiers absolument génial pour la réécriture, c'est le dossier de Boniface. L'archevêque de Mayence, on a 4 vies de Boniface jusqu'au XIe siècle. Hein, et chacune ajoutant un regard différent, une documentation différente, une exigence d'écriture différente. C'est absolument passionnant. Mmh.
J'encourage les étudiants qui veulent travailler sur les réécritures. Juste peut-être une remarque, c'est vrai qu'il y a 25 ans, on disait que quand un texte était beau, c'était la réécriture carolingienne et qu'on avait perdu la vie mérovingienne. Et ça a fait beaucoup de dégâts pendant longtemps. Hein. Il y a 25 ans, la vie de Saint-Éloi était un faux, Bruno Crouch l'avait dit, et on avait tous travaillé sur ce texte-là pour une raison ou pour une autre, c'est un texte magnifique, et tout le monde avait dit, bon, ça doit être quand même très proche de l'hypotexte, mais c'est quand même une réécriture carolingienne. Et puis, bon, des analyses ont été menées dans les années 2000, montrant qu'il y a une étape d'écriture mérovingienne indiscutable, même au 7e siècle, alors que le 7e siècle perd un peu l'usage du cursus, hein, mais qu'on a des textes mérovingiens, même si parfois, après, les manuscrits sont carolingiens, mais ça n'a pas de relation. Et alors, moi-même, je me suis prise en flagrant délit de commettre cette erreur, puisque trouvant donc cette VGC qui est écrite dans une langue fascinante, hein, je me suis dit, bah donc c'est sixième. Voilà, parce que c'est du bon latin, donc ça ne peut pas être septième. Je me suis fait gronder par François Dolbeau, qui m'a dit, mais finalement, pourquoi pas qu'est-ce qui prouve que... Et il a raison. Même avec ce qu'on a vécu comme changement historiographique, ouais, je pense qu'on est encore un petit peu impressionné par l'idée qu'il y a un bon latin, c'est celui du 9e, il y a un mauvais latin, c'est celui du 7e. Non, là, manifestement, en travaillant sur le dossier de Didier de Vienne, je suis éblouie par ces gens-là qui, en 620, écrivent un latin d'une perfection, d'une élégance et puis d'une recherche voilà, qu'on a tendance à attribuer plus à l'Antiquité tardive qu'au Moyen-Âge. Oui, j'aurais une question justement quand même, ces accusatifs absolus un peu étranges quand même, ça fait pas très Vallée du Rhône, c'est vrai, mais peut-être que si. Techniquement, ce n'est pas vraiment un ablatif absolu, c'est juste un ablatif de manière. Oui, donc, pourquoi pas de forme accusative, ça, on a le droit. Hein. Ton Dynamus se permet... Oui, il se permet des choses étranges. des phénomènes dont on, voilà, qui défient la traduction parce qu'on a perdu l'habitude, mais c'est simplement qu'on manque un peu d'imagination, je pense. Et lui, pour le coup, écrit avec un tel snobisme, je veux dire un tel besoin de montrer qu'il en est capable, que s'il se permet des nominatifs absolus, pour le coup, c'est qu'il doit penser que ça se fait. Donc, il faut un peu changer notre critère, notre grille d'appréciation, quoi, en fait. Mais tu connais la lettre David de Vienne qui se plaint que quelqu'un l'a accusé d'avoir fait une faute de quantité et qui trouve un texte de Virgile où la quantité est bien respectée telle qu'il l'a prononcée à l'oral. Donc c'est vrai qu'on a peut-être perdu aussi cette idée que le latin était beaucoup plus multiple que ce qu'il peut y avoir ensuite à l'époque carolingienne, qui fiche complètement les formes et qui fait une langue beaucoup plus pure, c'est vrai, mais beaucoup moins intéressante d'un certain côté. Qui est pure parce qu'elle est morte. Voilà, oui, oui. C'est la langue qu'on apprend à l'école. D'autres questions? Oui, ici. Est-ce que l'on a des mentions ou des réutilisations par d'autres auteurs de l'époque mérovingienne des différentes vies de Sainte-Geneviève? Je me suis énormément amusée. Figurez-vous qu'elle sert, je pense que c'est VGA, qui sert à cogitosus, c'est-à-dire pour écrire une vie de Sainte-Brigitte de Kildare. Il y a, à mon avis, un miracle qui est directement copié là. Alors après, on a une petite controverse avec mon collègue Wolfert von Egmond, qui voit la vie C, je crois, dans la vie interpolée de Germain d'Auxerre. Parce que pour vous aider un petit peu, donc vous avez compris, il y a une première vie de Germain d'Auxerre qui est celle écrite par Constance, VGA qui arrive mais qui ne connaît pas, je pense, le texte de Constance, et la vie de Germain est réécrite, hein, c'est ce qu'on appelle la vie interpolée, mais qui est simplement un dossier mérovingien sur Germain d'Auxerre, et cette deuxième vie de Germain est complétée de tout ce qu'on a dit dans l'intervalle de Germain dans d'autres textes hagiographiques. Donc, dans la vie interpolée, on voit arriver Geneviève, ce qui n'était pas vraiment prévu. Et donc, là, on discute pour savoir si c'est la vie A, la vie C. Ce n'est pas du tout évident, parce que vous avez vu, c'est la même matière, en fait. Hein. Donc, ça se joue à 2 virgules près. Quoi. Voilà. Mais oui, sans doute qu'il y a eu d'autres contaminations.
Là, au moment où je vous le dis, il n'y a pas de contamination visible dans le dossier de Saint-Denis où on l'a beaucoup cherché. À ma connaissance, non. Donc après, c'est de la chance. C'est-à-dire que là, enfin, moi, je n'allais pas chercher chez Brigitte de Kildare un lecteur de Geneviève. Je suis tombée dessus par hasard. Voilà, donc on peut avoir des bonnes surprises encore. Hein. Mais oui, la tradition indirecte nous sauve souvent. Simplement, le problème de la tradition indirecte, c'est qu'on la découvre à force, quoi. C'est difficile de la chercher systématiquement. Peut-être vous cherchez dans un dossier en particulier ? Vous attendiez Geneviève non, quelque simple, part ? Non, simple curiosité. Bon, sinon, moi, j'ai le droit de poser une question aussi. Le dossier pélagien, quand même, il est fascinant parce que si on est dans les années 520, c'est soit un peu tard, soit un peu décentré géographiquement. Alors, c'est monstrueux. Un auteur très augustinien en 520 à Paris, ça fait bizarre. Hein. C'est pas impossible du tout, mais il serait à Arles, il serait à Vienne, oui, mais à Paris, c'est un peu passé. En même temps, quand tu lis VGA et que tu découvres qu'il a lu Grégoire de Nazianze, tu dis « Oh, ce type c'est... ou cette femme, c'est pas non plus n'importe qui. » Et je pense qu'on a sous-estimé le caractère cosmopolite des disciples immédiats de Geneviève. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout dire, mais tu sais très bien qu'il y a ce chapitre sur Saint-Siméon. Donc je dis pour tout le monde, tout d'un coup, la géographe fait un excursus qui n'a absolument aucun rapport avec rien, et il explique que Geneviève et Siméon, le stylite, donc le type qui est mort en haut de sa colonne, qui apparaît dans l'œuvre de Théodoré de Cire, quelque part vers 459, donc l'ascète le plus absolu du nord de la Syrie, était en lien spirituel avec Geneviève, et que chaque fois qu'il y avait des marchands syriens qui faisaient l'aller-retour entre Alep et Paris, ils portaient à l'un des nouvelles de l'autre. Bon. Je continue à avoir du mal à comprendre ce passage, mais l'auteur qui a besoin de dire ça est quand même en train d'établir un contact avec un monachisme assez spécial, hein, qui n'est pas le monachisme de Palestine, hein, bref, mais en fait, un courant spirituel très oriental. Bon, il lit le pasteur d'Hermas, il lit Grégoire de Nazianze, il lit les Récognitionnes, je n'en ai pas parlé non plus dans le chapitre 17. Enfin, il a des lectures qui manifestent une ouverture d'esprit au monde hellénophone qu'on n'attendrait pas d'un clerc parisien. Voilà, ce n'est pas une bonne réponse que je viens de faire, mais je pense que cet auteur a des horizons, en tout cas une bibliothèque, beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Voilà. Alors maintenant, l'actualité du pélagianisme, jusqu'à Orange. Hein. Oui. Voilà, 549. Mais je suis d'accord, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout attendu. Et Paulin de Milan, c'est 420, ce n'est pas 520. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, cette clé du pélagianisme, alors on peut penser, hein, je pense que ça me sera reproché que je la vois parce que je l'invente, mais encore une fois, c'est vraiment nourri par ma surprise d'agiographe face à une vie qui s'intéresse à l'enfance. Et là, pour le coup, bon, j'ai travaillé toute l'année dernière sur la présentation de l'enfance dans les sources agiographiques avant l'an 1000. C'est une anomalie énorme. Personne n'en a rien à faire des enfants dans la géographie, sauf quand on a un propos théologique et qu'on veut montrer que c'est Dieu qui fait la sainteté. À ce moment-là, il y a un enfant qui arrive. Bon, là, il y a un tiers de la vie de Geneviève qui est consacrée à son enfance. Je pense que ça parle de soi-même. C'est un hagiographe pour qui, puis c'est quand même cohérent, je pense, avec la spiritualité qu'il développe, c'est un hagiographe pour qui la sainteté n'est pas une question de mérite. Vraiment. Alors, c'est du pélagianisme à tiédi, peut-être. Hein. On n'est pas au cœur de la controverse augustinienne. Mais en tout cas, il a un propos là-dessus, il a quelque chose à dire sur le fait que la sainteté ne s'acquiert pas à la force du poignet. Ça, j'y crois. Non, parce que tu sais que j'avais travaillé sur la vie de Praiectus de Clermont. Donc là aussi, on a un passage sur l'enfance, mais c'est très particulier. C'est que ce n'était pas une vie de l'enfance, c'était une passion de martyr avec une rallonge. C'est écrit en deux fois, ce n'était pas assez long, donc il y a une rallonge.
C'est peut-être aussi une écriture féminine, hein. C'est vraisemblablement une moniale de chevalière. Mais et, là, et Gundilana, oui. Elle dit quand même, il est allaité, il est dans son berceau, quoi d'autre? Il pleure. Il pleure. Voilà. Quid plura? Eh bien, rien, parce que justement, voilà. Quid plura, il n'y a rien à dire sur un enfant. Il est comme tout le monde, praeictus. Enfin, là, il est aussi prédestiné. Mais ça, ça vient plus tard. Ouais, ça, c'est... Je vais t'envoyer mon article sur l'enfance dans les sources hagiographiques. Ah ben, je veux bien, oui. Mais c'est, disons que c'est un passage raté dans la vie de Praeictus, si tant est que le reste de la vie soit réussi. Mais c'est un passage particulièrement raté, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la vie de Geneviève, où au contraire, ça fait partie d'un propos et d'une belle construction. Tout à fait, je pense. En tout cas, je suis prête à le défendre. Voilà. Je suis prête à avoir tort, mais j'y crois un peu quand même. Très bien, y a-t-il d'autres questions? Il est 2h05, donc nous allons clore la séance et remercier beaucoup ma collègue Marie Isaïa d'être venue de Lyon, même si c'est virtuellement, et de nous avoir fait partager sa fascination pour VGA, VGC, nous attendons VGB un jour ou l'autre. Oui, il n'y a que VGD, non, bref. Je dis simplement, mis à part, merci beaucoup, parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir partager ces recherches, que je suis à votre disposition, vous avez mon mail, s'il y a des choses qui vous manquent ou si vous voulez de la biblio, n'hésitez pas, Lyon n'est pas si loin en vérité. Merci d'ici encore. Quelques mois, tu nous reviendras à Paris de temps en temps. Oui, pour travailler. Merci. Merci beaucoup de votre invitation et de votre écoute. Merci à tous. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.